Nous connaissons, selon lui, une double crise, écologique et anthropologique. Je laisse provisoirement de côté la première, écologique, car on a tendance à oublier la crise anthropologique à laquelle il pourtant fait déjà un petit peu allusion. Donc cela rejoint les constats que j'ai faits, et Sève analyse cette crise comme une crise de l'humain comme tel. Et l'humanité de l'homme en tant que tel, son hominisation, si vous préférez. Et c'est une crise de l'humain dans la réalisation de ses potentialités naturelles. Le capitalisme est en train, sur la base de son expansion économique mondiale, d'empêcher le développement de la personnalité individuelle chez la grande majorité des hommes. C'est un souci constant de la pensée de Sève depuis 40 ou 50 ans. Il en appelle donc, Sève, avec son fils Jean, à un renversement de perspective dans le sens du communisme, alors attendez, tel que l'entendait Marx dès les manuscrits de 1844, qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, il faut éliminer cette association, où il est bien question dans les manuscrits de 1944, qui est un texte formidable, pas toujours une parfaite cohérence, mais il y a des trésors, il y a des bijoux dans ce texte-là. Il est bien question d'une forme inédite de société à venir, permettant à tous les hommes de réaliser leur nature. Le terme est chez lui, donc c'est pas simplement un penseur historiciste, de réaliser leur nature, mais à leur plus haut niveau, ce qu'il appelait un communisme raffiné. Menant l'homme à l'intelligence, la créativité, l'art, etc. Donc le tirant vers le haut, si vous voulez. Au lieu d'un communisme grossier, c'est sa formule, se contentant de répartir égalitairement les valeurs de l'avoir bourgeois, si vous voulez, ou de la consommation. Une fois cela dit, il nous faut revenir. Pour finir, à la question de la crise écologique, donc dans l'ordre de la nature dont nous dépendons de fait. Nous en dépendons de fait, je répète cette formule, parce que nous sommes des êtres naturels. Nous ne sommes pas des créatures ex nihilo, y compris d'une intention divine. Alors il s'agit là, et je vais terminer par là, d'une crise majeure dont on ne soupçonnait pas qu'elle fût possible. Il y a 40 ou 50 ans, personne n'aurait imaginé la crise en face de laquelle nous sommes, puisqu'il est question d'une disparition possible de l'espèce humaine. Elle se traduit en une formule, par l'épuisement des ressources naturelles dont nous vivons, comme par la dégradation de cette nature dans son apparence même, dont nous avons besoin essentiellement. Moi, j'aime contempler la nature. C'est pourquoi cet épuisement, cette dégradation, selon tous les scientifiques, je l'ai indiqué, risque de mettre en cause l'existence de l'espèce humaine qui, dans ce cas, figurez-vous, n'aura été qu'une forme transitoire de l'évolution naturelle. On en arrive là. Bon. C'est pourquoi il nous faut nous ressaisir et maîtriser la maîtrise technique de la nature elle-même. Maîtriser la maîtrise dans un sens qui soit favorable à l'épanouissement des hommes, quitte à en inverser le cours. C'est une nouveauté que Descartes n'aurait pas prévue, mais qu'il aurait acceptée, à mon avis. Et qui suppose que l'on dénonce le développement technique dans tous les domaines où il peut nuire à l'humanité. C'est dire qu'il faut remettre en cause l'industrialisme aveugle, la fuite en avant qui caractérise notre époque, insensible que cet industrialisme ait à ses méfaits humains ravageurs. Donc ne pas mettre la croissance, le productivisme au premier plan, comme le fait notre cher Macron dans son livre Révolution, qui devrait s'appeler Contre-révolution. Bon. Alors, c'est l'objectif, si vous voulez, de la philosophie politique de la décroissance. Représenté en France, spécialement par les travaux de Paul Ariès, je ne sais pas si vous connaissez, directeur de la revue Les Indignés, que je connais très bien, c'est un ami intellectuel, à condition de bien comprendre ce qu'on entend par décroissance. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que certains disent, de revenir à une croissance zéro, ou à une croissance, l'on peut dire, négative. Comme le disait un jour dans le journal Le Monde, notre cher président Jacques Oxiette de la région autrefois, et qui était mon proviseur, il ne s'agit pas de revenir au temps des cavernes, et à la lumière, aux chandelles, si vous voulez. Il disait ça, bon, ça n'a pas de sens, si vous voulez. Il s'agit plutôt d'impulser une croissance sélective. C'est ça ce que ça veut dire. Qui ne la favorise, la croissance, mais qui la favorise, que dans les secteurs où elle est favorable à l'homme.
lesquels restent nombreux, comme la recherche scientifique, hein, dans tous les domaines, dont la biologie, avec ses applications médicales heureuses. Hein, ce qui explique, bien entendu, le temps de vie plus grand que nous l'avons aujourd'hui. C'est pourquoi, il termine, il nous faut réhabiter la nature, à savoir en tenir compte essentiellement, puisque nous en sommes un produit et donc une forme, son instrumentalisation et son exploitation en faveur de l'homme doit s'arrêter au moment où elle risque de se retourner contre lui.